Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HJ Global News. Moon Jong-ha, quatrième génération de la vraie famille et première fille de Moon Shin-nung et Moon Yoo-mae, a célébré son premier anniversaire. La petite Jong-ha continue de grandir en bonne santé, apportant ainsi beaucoup de joie et d'énergie à la vraie mère. Dans cette édition de HJ Global News, nous reviendrons en images sur la célébration de ce premier anniversaire, puis nous ferons le point sur la tournée africaine de Dr. Song Yong-chun, président de la Fédération des familles. Nous conclurons ensuite avec quelques nouvelles du déroulement de la Providence à travers le monde. La célébration du premier anniversaire de la petite Moon Jong-ha, première fille de Moon Shin-hung et Moon Yoo-mae et arrière-petite fille des vrais parents, a eu lieu au restaurant Hyo Jong-yeon en présence des membres de la vraie famille, de leaders de Chun Il-guk et de nombreuses familles bénies. Après son entrée, la vraie mère a reçu des paniers de fleurs d'enfants Hyo-dong venus célébrer ce premier anniversaire de Moon Jong-ha. Il y a ensuite eu la coupure du gâteau d'anniversaire effectué par Moon Shin-nung et son épouse Moon Yoo-mae. Sous les regards attentifs de la vraie mère et des invités, il s'est tenu le Doljabi, une cérémonie durant laquelle l'enfant saisit un objet qui symbolisera son avenir. La petite Jong-ha a apporté un grand sourire à la vraie mère en saisissant un billet de banque, symbole de la bénédiction sur toutes les choses. La vraie mère a ensuite félicité son arrière-petite-fille, puis a délivré un message de bénédiction aux enfants Hyo-dong. La vraie mère a ainsi offert des peluches du roi Nemo à Moon Jong-ha et à tous les enfants présents à la fête. Tout comme la peluche du roi Nemo, ils affichaient tous une mine qui reflétait leur immense joie. Après le message de la vraie mère, la directrice de son premier secrétariat, Mme Moon Yoon-na, a offert une prière. Elle y a exprimé son désir de voir les enfants bénis devenir la joie éternelle des vrais parents et la fierté et l'espoir de Chun Il-guk. Quant à Moon Julia, directrice de la Fondation culturelle internationale Hyo-jong, elle a souhaité bonne santé et longue vie à la vraie mère, puis a félicité la petite Jong-ha. Elle a ensuite porté un toast à la victoire avec tous les invités. Il y a ensuite eu le partage des vœux de bonne santé et de longue vie à la vraie mère et des messages de félicitations à la petite Jong-ha. Au nom de la vraie famille, la famille de Moon Shin-chul a fait part de son désir de partager avec les membres tout l'amour qu'elle a reçu de la petite Jong-ha et de la vraie mère. Le révérend Iggy Song, directeur de Chun Shin-won, Dr. Song Yong-chun, président de la Fédération des familles, le révérend Bang Sang-il, président régional du Japon, et Mme Mac David Wonju, directrice du deuxième secrétariat de la vraie mère, ont tour à tour exprimé leur désir de voir Jong-ha grandir en bonne santé et devenir une source de joie et de force pour la vraie mère. Il y a ensuite eu un magnifique spectacle de chant et de danse présenté par les enfants Hyo-dong pour féliciter la petite Jong-ha et exprimer leur immense gratitude à la vraie mère. L'événement s'est conclu dans une atmosphère chaleureuse avec tous les invités chantant en chœur la chanson Sarangae Dangshimul.
En 1975, des missionnaires ont été envoyés dans 127 pays pour répandre la volonté de Dieu à travers le monde. C'est à cette période qu'a débuté pour de vrai la Providence en Afrique grâce aux missionnaires japonais, américains et allemands. Dans le cadre de la stratégie des vrais parents pour l'établissement de Chonilbuk axé sur le témoignage, la création d'un cadre pour le témoignage et la formation des futurs leaders, des justes préparés par le ciel tels que des chefs religieux et coutumiers, ainsi que des dirigeants politiques ont répondu à l'appel des vrais parents, contribuant ainsi au progrès rapide réalisé par l'Afrique. Après avoir présidé le premier sommet mondial qui s'est tenu en 2018 au Sénégal en présence du président de la République, la Vraie Mère a conduit une cérémonie de bénédiction de 100 000 couples en Afrique du Sud avec le concours du prophète Radebe, achevant ainsi la restauration du groupe religieux. Avec le sommet continental et la cérémonie de bénédiction à Sao Tomé et Principe, la Vraie Mère a achevé la restauration nationale. Au Niger, la Vraie Mère a présenté le modèle d'un mouvement pour la paix à l'échelle continentale à travers une cérémonie nationale de bénédiction et la signature d'un mémorandum d'entente pour le lancement du projet commun d'une nouvelle Afrique de l'Union africaine, de la CDAO et du G5 Sahel. I Africa Deryugun, 대서양 문명권 시대에 하늘 앞에 나중된 자였지만은 참 부모를 통해서 이제 세계에 먼저 된 대륙이 되었습니다. 여러분들이 하늘 부모님과 이 독생녀 참 어머니와 하나 돼서 이 아프리카 대륙을 본래 창조주 하나님께서 창조하셨던 건강하고 아름답고 아름다운 사람들이 사는 아프리카 대륙으로 만들어 나갑시다. 우리는 하늘 부모님을 모신 인류 한 가족입니다. La pandémie de COVID-19 a causé un ralentissement des activités en Afrique durant les trois dernières années. Le continent africain a constitué la dernière étape de la tournée mondiale du président de la Fédération des familles, Dr. Son Yang-chun. La réunion stratégique des leaders de l'Afrique s'est tenue à Kinshasa, capitale de la RDC, et a été présidée par Dr. Son Yang-chun. Après les rapports du président régional, des cinq présidents sous-régionaux et des responsables d'organisations providentielles, Dr. Song a transmis l'amour profond de la Vraie Mère et la stratégie du siège international. So by restructuring the organization, True Mother proclaim a new system and new paradigm shift to ensure the Chonwangung entrance ceremony in 2025 is held on a solid foundation of the best result and a substantial foundation for Chonilguk. True Mother has made the solemn commitment to Heavenly Parents that I will not retreat even one step. From now, I will not retreat even one step. That was True Mother's commitment day by day. So I truly hope that everyone can resonate with True Mother's heart. And this will be an occasion for Heavenly Africa, you all the leaders, to strengthen yourself to victoriously achieve national restoration by 2025. À travers cette rencontre, les participants ont eu l'occasion d'analyser de façon objective la situation actuelle du continent afin de prendre un nouveau départ. La rencontre spéciale de Dr. Song avec les membres s'est tenue le jour suivant et a été retransmise en direct en ligne dans toute l'Afrique, enregistrant la participation de près de 1200 personnes. Le président Song a transmis aux membres l'amour de la Vraie Mère et son désir ardent de les revoir.
les membres ont réagi en exprimant leur détermination à travailler avec dévotion afin de recevoir à nouveau la vraie mère et réaliser la vision 2025. Lors de la rencontre suivante avec les jeunes d'AEYSP, il a été décidé de mener un programme d'éducation et diverses activités centrées sur AEYSP, car les jeunes de moins de 25 ans représentent 62% de la population africaine. Le 7 août, Dr. Song s'est rendu à Johannesburg en Afrique du Sud, où il a tenu une rencontre avec les membres à qui il a transmis l'immense amour de la vraie mère. Le jour suivant, le président Song a rencontré le prophète Radebe. Il a également pris part à la cérémonie d'inauguration du siège de l'AIPD Afrique, invitant par la même occasion le prophète Radebe à remplir pleinement sa mission de Jean-Baptiste dans la Providence en Afrique. Dr. Song a ensuite appelé tous les leaders à s'unir complètement à la vraie mère dans ce nouveau cours de 7 ans. Lors de la cérémonie, le prophète Radebe s'est engagé en tant que président de l'AIPD Afrique à lancer en novembre prochain le Conseil interconfessionnel africain afin de développer davantage l'AIPD. La cérémonie d'accueil des dirigeants de l'AIPD Afrique a été préparée par le prophète Radebe qui a mobilisé 2000 de ses fidèles. Le président Song a déclaré que le prophète Radebe, qui a reçu les enseignements spirituels de la vraie mère, fera de l'Afrique le continent du Parent Céleste. Les 2000 fidèles présents dans la salle ont réagi à ces paroles par de vifs applaudissements. Les participants ont ensuite visité le musée Hector Peterson, où ils ont déposé des fleurs et offert de ferventes prières pour une Afrique céleste complètement unie à la vraie mère. Le président Song s'est ensuite rendu en Zambie, centre spirituel de l'Afrique, où se trouve la branche africaine de Tshwanchimwan. Il a d'abord rencontré les tout nouveaux directeurs de la branche africaine de Tshwanchimwan, en l'occurrence M. Wang Songmin, directeur de la branche Est, et M. Sakua, directeur de la branche Ouest, avec qui il a discuté des moyens de développer activement la providence de Tshwanchimwan sur le continent. Dr. Song a ensuite rencontré les membres à qui il a transmis le cœur et l'amour de la vraie mère. Il a également écouté un rapport spécial sur le programme de formation des futurs dirigeants créé par les jeunes envoyés spéciaux de UPA et dénommé Yojongrang Africa, à travers lequel 20 jeunes sont en train de développer leurs aptitudes de leader. Dr. Song a ensuite pris part à la veille spéciale de prière de Tshwanchimwan, durant laquelle tous les participants ont offert de ferventes prières pour une Afrique céleste qui guidera les actions en faveur d'une Corée céleste unifiée et d'un monde céleste unifié. Le président Song s'est ensuite rendu au Sénégal, où il a rencontré Cheikh Mansour Diouf. Cheikh Mansour Diouf a déclaré qu'il ferait de son mieux pour aider la vraie mère à réaliser tout ce qu'elle envisage de faire. Le dernier jour de la visite, il a invité Dr. Song chez lui pour un repas, durant lequel ils ont longuement discuté dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Le deuxième jour, Dr. Song et son équipe se sont rendus sur l'île de Gorée, où ils ont marché sur les traces de la vraie mère et offert de ferventes prières pour que l'Afrique devienne la première terre à être restaurée. Après cela, Dr. Song a visité la principale église du Sénégal, où il a écouté un rapport sur la situation générale du mouvement et partagé avec les membres le cœur de piété filiale des vrais parents. Le dernier pays visité est Sao Tomé et Principe, le premier pays à établir le modèle de restauration nationale et un endroit que la vraie mère porte profondément dans son cœur et pour lequel elle manifeste un grand intérêt. Dr. Song y a rencontré les principales personnalités de l'État. Il a tout d'abord tenu une rencontre avec le premier ministre Patrice Trovoada avant de rencontrer plusieurs ambassadeurs de paix. Dr. Song a également rencontré Selmira Sacramento, présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que 4 députés. En dernier lieu, Dr. Song a rendu une visite de courtoisie au président de la République, Carlos Manuel Villanova. Avec le président Villanova et plusieurs membres du gouvernement, ils ont discuté du programme d'éducation du caractère et de la formation professionnelle des jeunes et sont convenus de poursuivre activement leur soutien et leur coopération. Cette tournée a permis de revitaliser le continent africain qui stagnait depuis la pandémie de COVID-19, de rétablir les relations perdues et de poser un nouveau fondement spirituel solide avec le concours des nouveaux directeurs des branches de Tshwanchimwan. Elle a permis aux leaders et aux membres africains de réaffirmer leur détermination à prendre un nouveau départ
pour le développement de l'Église et la restauration nationale. Plusieurs séminaires Yojong Chonbo se déroulent à travers le monde avec le concours des directeurs des branches continentales du centre H.J. Chonju Chonbo, désigné par la vraie mère. Grâce à cette nouvelle providence que la vraie mère a étendue au monde entier, tous les membres peuvent recevoir la grâce des œuvres Chonbo et expérimenter un grand éveil spirituel. Les séminaires spéciaux Ryojong Chonbo se déroulent dans l'amour et la grâce des vrais parents. En plus du séminaire de 40 jours, des étudiants de l'Institut de langue coréenne de l'Université Sun Moon et des jeunes de Taïwan et de la région Europe et Moyen-Orient participent au séminaire de 21 jours. Le centre de Changpyeong est ainsi devenu un véritable lieu d'éducation spirituelle pour les futurs leaders du monde qui expérimentent les œuvres de l'esprit et de la vérité à travers les veillées de prière de Changchimon. Aux États-Unis, l'église Elizabeth dans le New Jersey et l'association évangélique coréenne à New York ont inauguré leur salle de prière Changchimon. Tous les membres étaient heureux d'avoir contribué à la construction de cette salle spéciale de prière. L'inauguration de nouvelles salles de prière se poursuit partout aux États-Unis. En Corée, il s'est tenu un séminaire de principes divins pour sensibiliser sur l'unification de la péninsule coréenne. Le séminaire a enregistré la participation de 90 nouveaux membres et de 33 parents spirituels venus de toute la Corée. Les enseignements leur ont permis de connaître le Parent Céleste et de comprendre les cours de Jésus et des vrais parents. Le révérend Song Wang-sok, leader national de la Corée, a témoigné des œuvres des vrais parents en faveur de la réunification de la Corée et de la paix mondiale. Il y a ensuite eu des conférences sur divers sujets. Les participants ont également pu ressentir le bonheur que procure la nature en allant au sommet du mont Paluang où ils ont chanté le chant de l'unité. À la fin du programme, la majorité des participants ont rempli des formulaires d'adhésion et se sont engagés à prendre un nouveau départ en tant que membre de la Fédération des familles. La Fédération des familles du Canada a organisé à Montréal la célébration de l'amour vrai, une tradition vieille de 25 ans. Lors de cet événement, des couples et des personnes de divers horizons ont pu percevoir la valeur de la bénédiction en mariage des vrais parents qui promet des mariages et des familles centrées sur Dieu, notre Parent Céleste. Le Conseil des religions de Corée a organisé un séminaire sur la diffusion de la culture du culte interreligieux. Des dirigeants de la Fédération des familles, de la FPU, du Conseil des religions de Corée et de KCLC se sont réunis pour partager diverses opinions sur la nécessité de diffuser une culture de culte interreligieux centrée sur le Parent Céleste. Le révérend Dieter Schmidt, président de la Fédération des familles Europe centrale, a effectué une visite significative en Ukraine où les membres, malgré les atrocités de la guerre, conservent un esprit de résistance et poursuivent tous les jours le témoignage. Avec le concours de la FPU Ukraine, une aide humaine a été fournie à une école et un orphelinat à Kiev, avec notamment le don d'un générateur. Le révérend Schmidt a également eu de profondes conversations avec les membres, avec qui il a prié pour une fin rapide de la guerre. Peace Road Pologne 2023 a enregistré la participation d'une quarantaine de personnes venues de 8 pays. Le programme comprenait une randonnée en montagne de 7 jours en Pologne et en Slovaquie, d'une distance d'environ 180 km. Ce fut une expérience profonde d'aventure, d'appréciation de la magnifique création de Dieu, de service et d'amour mutuel en tant que frères et sœurs. Le Centre international de formation des jeunes Chongqing a organisé un camp d'été dénommé Yojong Mind Leadership. Le camp a rassemblé des élèves songhois de tout le pays qui ont appris la piété filiale envers Dieu, l'amour pur, la valeur du sexe absolu, ainsi que les attitudes et les vertus que chaque enfant devrait cultiver. Aux États-Unis a eu lieu le 19e festival annuel de la culture et des sports dénommé Blessed. Le festival a attiré plus de 600 participants venus de tout le pays et plus de 1000 personnes se sont présentées pour la dernière journée et le service dominical.
En outre, il y a eu un spectacle culturel avec un défilé de mode, des prestations de danse ainsi que des performances d'orchestre qui ont mis en lumière les incroyables talents des jeunes du mouvement de l'unification. CARP Allemagne a participé à une course de relais de 160 km le long de l'ancien mur de Berlin. Cet événement qui honore la mémoire des personnes qui sont mortes en tentant d'escalader le mur se tient depuis 2011. Le jour suivant, les participants ont écouté des témoignages touchant sur l'époque du mur de Berlin et les activités de CARP pour la réunification de l'Allemagne. L'année prochaine, CARP espère inspirer beaucoup plus de participants et promouvoir la réunification de la Corée. Dans le cadre de sa tournée nationale, le révérend Song Wang-sok a visité les villes de Gwangju, Haeyang, Gwangyang et Sosuncheon dans la province de Jeolla. Le président Song a transmis aux membres les sentiments profonds de la vraie mère en les appelant à présenter en offrande à Dieu une Corée céleste unifiée. Il les a également invités à participer activement aux activités de témoignage pour la victoire de la Vision 2025. Pour leur part, les membres se sont engagés à donner le meilleur durant cette période de 6 mois de témoignage afin d'obtenir une grande victoire en 2025. La rencontre spéciale des sœurs missionnaires japonaises de la région de Yeongnam s'est tenue en présence de plus de 600 personnes. Cette rencontre avait pour objectif de mobiliser les personnes clés et obtenir leur soutien pour revitaliser le témoignage et le mouvement pour la réunification de la péninsule coréenne en conformité avec la nouvelle direction de la Providence définie par la vraie mère. Les sœurs missionnaires se sont engagées à entreprendre des actions pour une Corée céleste unifiée en unité complète avec la vraie mère. La région de Honam-Jeju a organisé une séance de formation sur la vie de couple et le début de la vie de famille à laquelle ont assisté 20 couples. Ce programme soutient les nouveaux couples bénis en présentant les valeurs et l'attitude que les époux et les épouses doivent avoir pour créer une véritable unité dans le couple et construire de magnifiques familles bénies tant désirées par Dieu et les vrais parents. En regardant les enfants des 3e et 4e générations du mouvement de l'unification grandir en bonne santé, nous ne pouvons que garder espoir pour l'avenir. Grâce aux efforts des frères et sœurs à travers le monde, qui consentent d'énormes sacrifices sur le terrain, nous pouvons espérer une grande victoire en 2025. Nous devons tous avoir la certitude que le Parent Céleste et les vrais parents seront heureux et nous accompagneront toujours lorsque nous leur ferons preuve d'une véritable piété filiale. La 2e conférence internationale de l'Académie Hyojong et la 20e conférence internationale pour l'unité des sciences médicales se tiendront le 31 août et le 1er septembre. Toutes les sessions seront diffusées en direct sur PIS TV en anglais. Nous vous espérons nombreux à suivre tous ces événements. C'est ainsi que se referme cette édition de HT Global News. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.